Après plusieurs mois d'arrêt en raison de la pandémie de coronavirus, le Haut Commissariat national de Démianche vient de reprendre ses activités dans les provinces de l'Enedi Ouest, précisément à Fada, Ouadoudoum et Kalaït. Pour cette relance, deux missions ont été effectuées respectivement par le directeur général du ministère de l'économie, de la planification, du développement et de la coopération internationale, Nassourou Mohamed Bar Itno, et le coordinateur national du HCN2, le général Brahim Djibrin. Tout a commencé à Fada, capitale de la province de l'Enedi Ouest, face aux partenaires du HCN2, qui sont entre autres Handicap International et le groupe anti-mine, en abrégé MAC. Le représentant du ministre de l'économie, le directeur général Nassourou Mohamed Bar Itno, qui avait à ses côtés le secrétaire général de la province de l'Enedi Ouest, Jean-Claude Dogonal, et le coordinateur du HCND, Brahim Djibrin, a lancé officiellement les opérations de dominage dans cette province. La cérémonie qui nous réunit ce matin est en un point douté le vibrant témoignage de la coopération Tchad-Union européenne. Elle annonce officiellement la reprise des opérations de déminage, des dépollutions et des marquages du site de Ouadoudoum après l'allègement de la situation épidémiologique de la pandémie de la COVID-19 dans notre pays. Mesdames et messieurs, en février 2019, la population de Burkou, qui connaît aujourd'hui mieux que quiconque les sérieux ravages qu'ont causé ces sentinelles éternelles qui ont endeuillé des milliers de familles, à célébrer la remise à disposition des terres en février 2020. Notre objectif ultime pour cette relance des activités dans la province de l'Enedi Ouest est de libérer Fada du joug des enjeux de mort à destruction massive pour une éventuelle remise totale à disposition des terres d'ici septembre 2021. À la population. Ce pari ne peut être gagné sans votre concours élançable et soutien aux opérateurs HI et MAC, partant à l'autorité nationale en charge de la coordination des activités de déminage et de dépollution, le HCND. Fort de ce constat, le déminage et la dépollution des territoires du Tchad sont le souci majeur de nos plus hautes autorités de la République, notamment l'engagement formel à nos côtés du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, de faire de notre pays une nation sans mine où il fait bon vivre. Nous devons tous nous mobiliser pour accompagner le Haut Commissariat national au déminage et ses partenaires opérateurs des mineurs pour la réussite de ce projet dans la province de l'Enedi Ouest. Distingués invités, le travail de déminage est un travail fastidieux, délicat et très dangereux. Mes chers partenaires, vous avez été toujours aux côtés du gouvernement du Tchad. Et c'est ici le lieu de vous féliciter, de vive voix, et de témoigner également l'engagement du ministère en charge du plan de l'économie et de la coopération internationale à vos côtés. Partant de là, c'est aussi le lieu de vous dire que le maréchal du Tchad, il tient beaucoup à ce grand projet. Et il est prêt à soutenir pour un Tchad sans mine. Aussi, voudrais-je vous interpeller ici toutes les autorités administratives, militaires, civiles et traditionnelles à œuvrer sans relâche pour la réussite de ce projet innovateur dans la province de l'Enedi Ouest. Chers partenaires opérateurs,
Le discours de Fada n'est pas un simple discours, mais c'est un engagement encore une fois de plus du ministère, du gouvernement tout entier pour les opérations de déminage et de dépollution et partant de là, les activités de développement, bien sûr. Chers partenaires opérateurs, je ne peux clore mes propos sans remercier l'Union européenne, notre partenaire stratégique, qui nous accompagne dans l'action contre les mines au Tchad. L'observation des mesures gouvernementales de la pandémie de la COVID-19 ne doit être perdue de vue, car la pandémie est toujours parmi nous. Le premier à prendre la parole, coordinateur du Haut Commissariat national des déminages, le général Brahim Djibrine. Le déminage et la dépollution a commencé dans les trois provinces, à savoir le Borku, l'Ennedi Ouest et le Tibesti. Malheureusement, force est de constater, en dépit des efforts tout azimut consentis, plusieurs chantiers n'ont pas été achevés. C'est pourquoi, depuis notre prise de fonction, nous développons une dynamique dont l'objectif premier est de finaliser tous les chantiers entamés et inachevés. Ainsi, nous aurons une vision claire et nette de la cartographie de la situation des mines dans les trois provinces désignées, notamment celles du Borku, de l'Ennedi Ouest et du Tibesti. Les terres qui seront nettoyées dans votre province de l'Ennedi Ouest et qui seront remises, nous le souhaitons, éventuellement, en septembre 2021, permettront sans nul doute à l'ensemble de la population de vaquer normalement à ses occupations sans crainte pour la relance des activités économiques, sociales et culturelles. Ceci est un gage pour tout développement harmonieux. Le cap sera désormais pris pour la région de Tibesti, où les opérations de déminage et de dépollution étaient suspendues pour plusieurs raisons. Chers invités, l'implication directe du ministre de l'Économie, de la Planification, du Développement et de la Coopération internationale à cette messe, par la présence de son directeur général, représentant le ministre, témoigne à suffisance de l'importance qu'accorde le maréchal du Tchad, le président de la République, chef de l'État Idriss Déby Itno, à ce projet de nettoyage des provinces de l'Ennedi Ouest et du Borku. Nous devons tous se l'approprier dans la relance des activités économiques dans ces provinces. Pour ce faire, vous êtes priés de bien vouloir déclarer tout objet suspect ou soupçonné dangereux à l'autorité en charge de coordonner les activités de déminage dans la province de l'Ennedi Ouest. Chers partenaires opérateurs, je veux dire. Aussi voudrais-je vous interpeller à plus de vigilance, d'abnégation et surtout à l'esprit de bonne collaboration avec l'ensemble des partenaires de la province haute pour la réussite de ce challenge de déminage et de dépollution enclenchée. Souhaitons-nous vivement que le retard encaissé, pour diverses raisons, ayant prolongé le bon déroulement des opérations, soit comblé plus rapidement possible grâce à votre génie créateur. Nous n'en doutons pas un seul instant. Mais disons que l'heure n'est plus à l'amérisme dans les opérations, mais pour des actes concrets qui donnent de l'espoir. Les mines constituent un danger pour le développement socio-économique. C'est la raison pour laquelle le gouvernement et un peu plus haut niveau, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, accorde une attention particulière sur le bien-être de la population qui vit avec les mines. Pour le secrétaire général de la province de l'Ennedi Ouest, Jean-Claude Dogonal, malgré la pandémie de COVID-19, les partenaires du Tchad, à savoir Handicap International et le MAC, doivent travailler d'arrache-pied pour enlever les mines qui existent dans ces zones. Nous sommes très heureux d'accueillir la mission du Haut Commissariat des Minages conduite par M. le directeur général du ministère de l'Économie, de la Planification, du Développement et de la Coopération internationale
comprenant entre autres le coordinateur du Haut Commissariat National au Béninage, HCND. Avant tout propos, je voudrais, au nom de toute la population de la province de l'Enedji-Ouest, au nom de M. le gouverneur Ahmad Hissène Mougouni en déplacement, au nom de tous nos collaborateurs ici présents, comme en mon nom, souhaiter la cordiale bienvenue et un agréable séjour dans la province de l'Enedji-Ouest à M. le directeur général et toute la délégation qui l'accompagne. Monsieur le directeur général, Monsieur les différents membres de la délégation, votre arrivée dans la ville de Fada, en cette période de pluie où le trajet est difficile, témoigne non seulement de l'amour et de l'attention que vous portez pour cette ville qui renferme beaucoup de merveilles et qui est riche par son histoire, mais elle est aussi la preuve de votre détermination à atteindre les objectifs que le gouvernement s'est fixés à travers le projet d'appui au déminage, au développement et à la protection des personnes vulnérables, le PRODECO. Le projet d'appui au déminage, au développement et à la protection des personnes vulnérables est la réponse la plus adéquate qu'il a plu à notre gouvernement sous la plus haute direction du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, d'apporter à l'objectif de libérer notre territoire national totalement des mines et des engins non explosés afin de permettre à toutes nos communautés de circuler librement et d'utiliser les terres pour leur épanouissement socio-économique et socio-culturel. En retenant la province de l'Enedji-Ouest parmi les provinces bénéficiaires du PRODECO, le gouvernement a vu juste, car en dépit d'énormes efforts déployés par le maréchal du Tchad pour éradiquer les mines dans la province de l'Enedji-Ouest, nous pouvons affirmer que quelques localités de notre province sont encore suspectées de la présence des mines. En effet, au début de cette année, une mine a explosé dans la localité de Wadidoum et a emporté plusieurs chameaux. C'est alors que le gouverneur a saisi le Haut Commissariat national au déminage pour demander l'accélération du processus de démarquage de cette zone prévue dans le projet PRODECO. Nous nous réjouissons aujourd'hui du fait que le démarquage du champ de mine de Wadidoum soit inscrit dans les objectifs de la présente mission. La présence des mines dans une localité limite l'accès aux potentialités de cette localité par la population qui ne peut se déplacer librement, qui ne peut faire librement son bétail et qui ne peut librement cultiver ses terres. La présence de ces engins nocifs sur notre territoire accentue la pauvreté chez nos communautés durement déjà approuvées par les effets du changement climatique. Le gouvernement a une fois de plus vu juste en intégrant le volet filet sociaux dans le PRODECO afin de permettre à la population de lutter contre la pauvreté. C'est l'occasion pour nous de réitérer au nom de nos communautés bénéficiaires de ce projet nos remerciements à l'Union européenne pour le financement accordé. Nos remerciements vont également à l'endroit du ministère de l'Économie, de la Planification, du Développement et de la Coopération internationale pour son attention sans défaut accordée au PRODECO, témoignée une fois de plus par la présence de son directeur général qui dirige personnellement cette mission de supervision des activités du projet en cette saison de pluie difficile. Nos remerciements vont aussi à l'endroit du Haut Commissariat national au déminage pour le rôle important qu'il joue dans la mise en œuvre du PRODECO en tant que première structure dans notre pays, chargée de la mise en œuvre du programme humanitaire national de lutte contre les mines et les engins non explosés sur l'ensemble du territoire.
Nous saluons la présence du coordinateur du ASND et toute son équipe dans cette mission. Enfin, nous remercions l'ONG Humanité Inclusion et toute son équipe pour leur présence dans notre province à travers le Prodeco. En ce temps d'une meilleure application des gestes barrières relatifs à la lutte contre la COVID-19 dans la mise en œuvre du Prodeco, nous souhaitons à monsieur le directeur du ministère de l'économie, de la planification, du développement et de la coopération internationale et tous les membres de la délégation une bonne suite de missions et un bon retour dans leurs familles respectives. Dans son intervention, le directeur général du ministère de l'économie, Nassour Mohamed Bar Idno, a vivement salué et encouragé le travail des organisations non gouvernementales Handicap International et MAC pour les efforts fournis dans les opérations de déminage au Tchad. Juste après la cérémonie, à Arignala, l'équipe de déminage, dirigée par le superviseur Tahir Galmaï, travaille avec professionnalisme dans les opérations de marquage. Une visite guidée a été menée par le superviseur Tahir Galmaï. Après Arignala, la délégation conduite par le directeur général du ministère de l'économie, Nassour Mohamed Bar Idno, est allée dans le village de Wadi Ewou. Ce même accueil a été réservé à la délégation sous la supervision cette fois-ci de Mohamed Charfadine. Pour le superviseur Mohamed Charfadine, les mines sont éparpillées un peu partout dans le village de Wadi Ewou. Il a fait l'état des lieux de ce site avant d'inviter la délégation à suivre un exposé nourri sur les opérations de marquage exécutées par l'ONG Handicap International. Malgré les temps torrides, malgré la chaleur, la délégation conduite par le directeur général du ministère de tutelle, Nassour Mohamed Bar Idno, est allée sur le deuxième site à Wadi Ewou. Sur ce site, c'est l'organisation non gouvernementale Handicap International qui s'en charge des opérations de déminage. Ici, à Wadi Ewou, également, plus d'une quarantaine de démineurs s'activent à enlever les mines. Malgré le soleil ardent, l'ONG Handicap International, la commune de Wadi Doum, située à 400 km au sud-ouest de Fada, a constitué la deuxième étape de la mission du HCND. Affrontant chaleur et arpentant des chemins entre les dunes de sable et les montagnes, la délégation, conduite par le coordinateur du Haut Commissariat National de Déminage, est arrivée dans la mi-journée à Wadi Doum. Ici, il fallait bien suivre le chemin tracé par l'équipe de déminage au risque de ne pas sauter sur une mine. Comme vous le constatez, il y a Wadi Doum commune où vivent les populations et Wadi Doum base où se trouve une compagnie de l'armée tchadienne. Il faut préciser que la commune de Wadi Doum reste la plus minée au monde. Sur le chemin de retour, la mission conduite par le coordonnateur du HCND, Gibrin Brahim, s'est arrêté à Kalaïd, où une équipe de l'ONG MAC est en train de faire la dépollution dans ces zones de Kalaïd et Amchaloba. Il faut noter que des engins de mort causent énormément de dégâts à la population. Ainsi va la vie.